À présent, mes chers compatriotes, je voudrais vous remercier et vous dire ma gratitude. Quand je sollicitais vos suffrages en février 2012, je n'avais plus aucun mandat électif. Par deux fois et à une majorité confortable, vous m'avez investi de votre confiance. C'est un honneur suprême en démocratie. Cet honneur, je l'ai toujours considéré non comme une source de privilèges, mais comme une éminente responsabilité et un devoir sacré d'être à votre service, de travailler jour et nuit pour mériter votre confiance. Toute œuvre humaine est imparfaite, mais quels que soient les critères d'évaluation, le Sénégal de 2023 et sans commune mesure avec le Sénégal de 2012. Je suis fier d'avoir réalisé avec vous cette séquence de notre histoire, un legs qui témoignera pour nous demain. En allant à votre rencontre, j'ai appris à mieux connaître et mieux aimer notre pays, d'un amour inconditionnel et inépuisable. Et le 2 avril 2024, s'il plaît à Dieu, je transmettrai le pouvoir à mon successeur. Je resterai ensuite disponible et de bonne volonté, car j'ai le Sénégal chevillé au corps et j'ai le Sénégal au cœur.